certain volet humoristique. Vos modèles, Yvon Deschamps et Michel Barrette, apprécieraient sûrement votre talent. Le rêve n'est pas seulement illusion, il est l'invention de la liberté. 1990-1995, déjà 5 ans. C'est avec une fierté et honneur que les élèves de la 5e secondaire jettent un coup d'œil derrière eux sur les années écoulées et un regard d'espoir devant eux sur les années qui s'annoncent au secteur professionnel, au secteur collégial ou sur le marché du travail. C'est l'excellence, la réalisation de tous leurs projets personnels, culturels et académiques. Je rêvais de compléter mon cours secondaire. J'ai réussi. Je rêvais des amis vrais et chaleureux. Je peux vous présenter mon copain, ma copine. Je rêvais d'exceller au sport. J'ai performé dans l'interscolaire. Je rêvais d'enseignantes et d'enseignants compétents et compréhensifs. Je vous assure que j'ai eu les meilleurs. J'ai décroché mes rêves d'adolescent. Je rêve encore, encore, et ce sera ainsi jusqu'à la fin de mes jours. Monsieur René Maheu et Louis-André Paquette, directeur adjoint par intérim, et Monsieur Donald Gendron, responsable des activités sportives, sont très émus de souligner la réalisation de vos rêves. Avec votre départ, un peu de leurs rêves s'envole également. Voici nos méritants finissants de l'année 1994-95. Un méritant s'est décerné à Monsieur Éric Sirois, premier en mathématiques 536, chimie 534, physique 534 et en économique. Mérida s'est décerné à Mademoiselle Roselyne Guillemette, première en français, anglais et en géographie. À Mademoiselle Julie Lapointe, première en physique 534 et en éducation physique. Elle se mérite également un méritage sportif en basketball juvénile féminin pour la joueuse la plus utile à son équipe. Un méritage est décerné à Mademoiselle Julie Tremblay, première en physique 534 et en éducation physique. Elle se mérite également un méritage sportif en volleyball juvénile féminin pour la joueuse la plus utile à son équipe. Un méritage est décerné à Mademoiselle Annie Plante, première en musique et en initiation au clavier. Un méritant s'est décerné à Mademoiselle Claudienne Bichette, première en enseignement moral et religieux catholique et formation personnelle et sociale. Deux méritants sont décernés à deux élèves qui se sont classés première en enseignement moral et formation personnelle et sociale. Il s'agit de Mademoiselle Myriam Denis, Méritant s'est destiné à Mademoiselle Evelyne Paquette, première en anglais. Un méritant s'est décerné à Mademoiselle Fanny Martin, première en mathématiques 574.
d'État sont décernés à deux élèves qui se sont classés premiers en éducation physique. Il s'agit de M. Éric Légalé. Et M. Jean-François Tremblay. Classé premier en arts plastiques. Il s'agit de M. Thierry Bouffard et de Mlle Julie Stéphanie Tremblay. Méritas est décerné à Mademoiselle France La Liberté, première en traitement de texte. Méritas est décerné à Mademoiselle Mélanie Trépanier, première en tenue de livre d'une entreprise de service.